C'est de quoi manger, ça, hein. Non. Non, c'est léger, ça. Au Saint-Jacques. Brochette de Saint-Jacques au lard paysan. C'est léger. Petit bout de lard paysan. Pavé de bœuf, poivre gris, ça ressemble pas. Parce qu'il paraît que Philippe Bouvard, il préfère la viande rouge. Ah oui, il adore. Il adore. Tu me l'as fait cuire un peu pour moi ? On va faire un peu plus cuit. Ouais. À point ? Moi, à point, ouais. 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 Et délices craquant au marron. Ah ouais, c'est bon. Ah. C'est Laurent, ça. Ouais, c'est bien, ça, non ? Oui, bonsoir. Thierry ? Au quatrième étage, s'il vous plaît. Non, passe-moi, Thierry. Monsieur, on vous demande à l'interphone. Allô ? Thierry ? Oui ? C'est Lolo ? Ouais. C'est ce soir le dîner avec les filles que tu m'avais dit ? Avec les filles ? Putain, tu risques d'être surpris quand même. C'est ce soir ? Bah oui, enfin les filles, ça sera peut-être après, mais là, il n'y a pas spécialement des filles, quoi. Il y a Bouvard et ses potes, quoi. Il y a Bouvard, tu m'as dit, c'est un truc, il y a des filles. Ah bon ? Je monte. Ça ? Bah, je suis désolé, non, il y a Bouvard, enfin... Je monte, on va... Ouais, hein ? Bah, viens quand même. T'as ton DVD ? C'est Laurent. Il croit qu'il y a des filles. Il va être surpris. C'est pas un dîner de filles. Il va être surpris. C'est vraiment un dîner. C'est carte vermeille. Oui. C'est carte vermeille ce soir. Oui. Ouais. Monsieur, bonsoir. Ah. Il n'y a pas de filles. Sans déconner. Non, tu vas dire des filles. C'est que des mecs. Ouais, ouais. C'est toi qui fais la fille. Oh, que c'est gentil. Des fleurs de lys. C'est des lys, hein. Ah ouais. Toi, tu sais vivre. T'as ton DVD, au moins. Un cadeau, ouais. Ça te va comme un gars. Jean-Marc Gaston, ça. Ah ouais, très bien. Viens. Gilles, vous vous occupez du vestiaire de monsieur ? Bien sûr. Enfin, Gilles. Je me précipite pour mettre les mais fleurs c'est quoi, Gilles, dans enfin. Le... Non, c'est un dîner de messieurs ce soir. Il y a Philippe Bouvard, non ? Philippe Bouvard, bien sûr. Jean Dutour. Sans déconner. Hein ? C'est quoi ce plan ? C'est quoi ? On va pas baiser alors. Après ! Avec Jean Dutour. Bonsoir. Henri Charvet, notre cuisinier. Vous avez l'air de faire la gueule un peu. Pas du tout. T'as des soucis ? Pas du tout. Quand je vois, ça me fait rire. Oui, c'est communicatif. Hein, ouais. C'est... T'as pas un contrôle fiscal ? Pas du tout, pas encore. D'où vient ce sens de la déconne ? C'est un truc que vous avez toujours eu ? Toujours. Et à mon âge, on déconne encore plus. Bah oui, c'est l'escalade après. Hein. Ouais. Ça va, Lolo ? Écoute, oui. Ça va ? Oui, je suis en plein de promo, donc je sors d'une émission. Un peu de champagne ? Non, il n'y a pas de filles. Il n'y a pas de filles, hein. Non. Des mecs, puis pas des jeunes. Vraiment, c'est un plan foireux. Hein. Mais on peut pas appeler une fille ? Si tu veux, oui. On appelle une fille. Tu en connais, toi ? Qu'on peut appeler comme ça. C'est plus de 30. Plus de 30, ouais. Vous avez le numéro de plus de 30 ? Oui, bien sûr, mais... Hein, et vous regardez l'heure, surtout, hein, parce qu'on sait qu'on se fait rembourser. Ça arrive au bout de 35 minutes. Volontiers. Alors, le DVD, BBB. Ah, putain. Qu'est-ce qu'il pense de la pochette ? Ben, je pense que t'as bien fait de pas marquer « Ne le regardez pas, c'est une merde », déjà. Je trouve que c'est une bonne idée. Et je trouve ça pas mal, ouais. Ouais. C'est un peu fouillis, organisé. Non, c'est bien, c'est bien. Un truc dont je suis très fier que personne ne voit, sur la tranche, j'ai viré le haut, parce que le haut, je l'ai mis là, parce que c'est le porte-clés, en fait. Et il ne peut plus être dans le titre, puisqu'il est déjà en tant que porte-clés là-haut. Il est parti. Voilà, et tout le monde s'en branle, ça. C'est marrant. Alain Chabat, Gérard Depardieu, Jean-Marie Bigard, Jamel Debbouze, Michel Galabru. Et sans autre star. Ouais. Il a augmenté le générique au début, là, le pré-générique, avec tous les mecs qui disent non. Ouais, et j'en ai des nouveaux. Il y a Delon en nouveau, Delon père et fils, il y a Tapie, Jean-Pierre Marielle, j'en ai une vingtaine de nouveaux. Andy Garcia. Eh, au DVD. Andy Garcia. Et on va tourner Brad Pitt et Georges Clooney. Oui, mais pour ça, c'est fini. Non, mais non, puisque c'est évolutif, c'est The Never Ending Movie. C'est le Never Ending Nightmare. Ouais. Voilà. Quand j'ai cherché mon lecteur de DVD. Ah. Merci. Attends, avec un peu de sel de Guérande. Ah, génial. Bon, alors, qu'est-ce que je fais, là ? Ce que tu veux. Tu veux voir les menus ? Ouais. Et qu'est-ce que je fais, là ? Tu attends, c'est le menu. C'est le menu.
Il y a 2h20 de menu. Merci. Ça va, Simon ? Très bien. Santé, bonheur et joie dans ta sœur. C'est ça qui est bien aussi. Bah, c'est Constantin, c'est le directeur de prod. On est en tournée là. Qu'est-ce qui se passe? On a un gros problème, Lolo. Quoi? On est en dépassement du budget, il nous manque 500 000 euros pour finir ton film. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est ton premier film, t'as aucune expérience dans les cinémas. Tous les soirs tu fumes des pétards. Le demain t'amène de nouvelles idées, mais on peut plus te suivre, mon vieux. Ça coûte très cher tout ça. Et tu peux pas demander une rallonge à la banque? T'es prié, Lolo. T'as tout hypothéqué. Elle est bien réussie, la transparence. T'es caché, hein. Tes salaires, tout. Constantin, sois sympa, arrange-moi le coup, laisse-moi 2 jours. D'accord? Ok. Je te donne 2 minutes. Vous appuyez bien. Glissez, n'appuyez pas. Oui, bonsoir. Bonsoir, Logérias et un jeune qui veut pousser dans le métier. Quatrième étage, s'il vous plaît. Quatrième étage. Quatrième étage. Bonsoir. 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 Monsieur Bouvard, bonsoir. Vous me confiez vos vêtements? Tu vois. Merci. Monsieur Ardisson vous attend à la cuisine. Allons à la cuisine. C'est très sympa, cette cuisine. Oui, moi je trouve qu'on devrait vivre que dans les cuisines. Comment ça va? Bien, et toi? Eric. Bonsoir. Depuis le temps que je ne t'ai pas vu. Oui, ça va bien. Salut, salut Philippe, mon cher Thierry. Ben, ça va? On est en train de regarder le DVD de Baffy. Voilà, c'est là, c'est là. Voilà. Scène. Voilà la scène. C'est la scène. Assieds-toi, assieds-toi. Asseyez-vous, Philippe. Assieds-toi, Eric. T'es un peu pour Daniel, t'as un ringard, t'as un bad mind, tu sais quoi? T'es un has-been. Écoute-moi bien, tu me chauffes pas trop, parce que j'ai bien voulu me retrouver dans un lavé. Alors que j'ai rien demandé, moi, un comédien de ma trempe. Continue comme ça, la trempe, c'est toi qui vas te la manger. Si c'est moi, la réplique plus, c'est toi. Ne fais pas chier, connasse. C'est pas le moment. Il est malade, ce mec. Bravo, Daniel. Belle entrée en matière. Quoi, c'est une histoire d'amour? Non, non, c'est ma mère. Merde. Quel talent. Mademoiselle. Non, il y a une scène qui est vachement bien, là. Regarde, ça m'intéresse. C'est dans quoi, ça? Les clés de bagnole? Les clés de bagnole. Non, il y a une scène qui est rigolote, là. Oui, oui, lui. Il n'arrive pas à la sauter, et puis après... Accélère, c'est après, accélère. Mais x8. Non, parce que j'ai demandé chez mon loueur, on m'a dit non, ça n'est pas encore en location. Dis-moi quand je le mets, Laurent. Ouais. C'est là. Ouh, c'est chaud. Non, non, un petit peu. Non, 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 c'était avant. T'as sauté. Là? Non. On n'y arrivera pas. Non, on n'y arrivera pas. Vous allez voir, hein. On n'y arrivera pas. Je veux pas vous commencer le cafard, ouais. Mais le marché du DVD devient difficile. Ah bon? J'ai bien remonté le moral, ça. J'ai 2 DVD qui sortent en ce moment. Il fait un film, il n'y a personne va le voir. 200 000. Il fait un DVD, et lui, il arrive, je suis désolé, le marché du DVD. Non, si c'est un jour il passait en télé, on me dirait... Non, comment ça va, Philippe, alors? Bien, avec beaucoup de travail, mais je l'ai voulu, hein. Ouais, oui, bah, oui. On n'est jamais venu m'amener au bureau ou à un studio entre 2 gendarmes. Ouais. En revanche, vos histoires avec les mineurs, là. Ça va, c'est la 10 000e, ce qui fait la 10 000e des grosses têtes, Philippe. C'est la 10 000e, ce qui représente 15 000 heures d'antenne. 15 000 heures d'antenne, oui. Ouais. D'ailleurs, c'est les vieux commandants de bord, c'est à peu près ce à quoi ils arrivent aux manettes de leur Boeing. Ouais. Et vous aussi, vous en aurez baisé les hôtesses. Sans quitter Paris, en plus. Ouais, des hôtesses qui n'étaient pas toutes de l'air. Celles de RTL sont beaucoup mieux. Disons, c'est énorme. Quand je pense que nous, on est à la 200e de tout le monde en parle, et vous en êtes à la 10 000e. Je vous rappelle que j'ai connu Laurent avant vous. Hein. Ouais. Ouais. C'est vrai, Laurent? Ouais. Où? Il faisait les sketchs de mon théâtre. Ouais. Théâtre de Bouvard, il faisait la moitié des sketchs. Ouais.
Il faisait des sketchs pour Peroni, pour... Sur la 5, sur... Non, c'était non. À l'époque de la 5. J'avais ma petite Fiat Panda. Ah oui. Il fallait se lever le matin, ce qui était dur. Je buvais mon café, je me rasais en conduisant. Et j'allais vendre des sketchs, et c'était 2500 balles de sketch. Et j'allais pour payer le loyer, nourrir la famille et tout. C'est bien payé, dis donc, 2500 balles de sketch. À l'époque, surtout. Ouais. Aujourd'hui, les tarifs ont baissé. Ah oui. Vous voyez bien, on n'a pas de grand talent sans faire de sacrifices. Et alors, ça se passait comment avec Philippe? Il était sympa avec toi? Philippe, c'était... oui, il était en tout cas peut-être pas toujours sympa parce que c'était il était caractériel, Philippe, on peut le dire, c'est pas un secret. Ah bon? C'est pas un secret. Oui. Mais il reconnaissait le talent. Et il m'avait identifié parce qu'il disait « c'est qui ça ?» On lui disait « c'est ma fille ». Alors il a fait « Puis après, ouais. Il m'a rangé dans la catégorie des bons auteurs, des gens fiables. Et j'ai toujours livré. J'allais faire 26 minutes en une nuit. Je commençais à écrire à minuit, j'écoutais les infos et tout. Il fallait que je lui dicte ça le matin à 8h du matin, 26 minutes pendant la nuit. Et j'ai toujours livré, Philippe. Oui, c'est vrai. C'était déjà un tâcheron. Et Philippe, à l'époque, il était... C'était pas le talent, c'était la ponctualité que vous appréciez, en fait. Et il était rédacteur en chef de François, donc il avait les grosses valises, tu sais, les anciens téléphones portables. Moi, quand je l'ai vu la première fois, il avait un téléphone portable qui pesait 8 kilos. Pendant que les gens passaient des sketchs, il était au téléphone, il disait « Oui, non, le pape, vous me le retirez de la une. » Et les gens, à la fin... Mais pour lui vendre le sketch, les nanas savaient qu'il fallait mettre un décolleté ou se finir en culotte, là, il disait « Oui, c'est bien ça. » Comment faisait Chevalier Las Palès, alors? Mais ceux qui m'ont découvert, c'est ni toi, ni Philippe, c'est les Carpentiers. Ah ouais, les Carpentiers, dis donc. J'ai fait beaucoup de figurations chez eux, ouais. J'avais 17 ans, et si je sors la compile, c'est assez drôle. Ouais. Parce que je suis derrière Tino Rossi, Sylvie Vartan... Mais t'écrivais pas. Non, je suis en costume, figurant. Tu sais, en Pierrot derrière Mireille Mathieu, des trucs ridicules. Oui, j'ai commencé comme figurant. Comme je faisais des figurations. Par exemple, tu montes dans un train, le réal, il te dit... Attends, tu descends d'un train, pardon, le réal, il te dit « Vous êtes 40, je vais en voir 200, l'image. » Donc, tu sors du train, tu remontes, tu traces, tu cours derrière, tu remontes derrière, tu mets un autre blouson, et il fallait passer 4 fois, quoi. Alors, c'était un peu renseur, en plus, tu te fais engueuler. Chiant à petit budget, hein. J'ai toujours un peu le trac, tout le monde en parle au début, oui, c'est pendant 10 minutes. C'est vrai, il y avait encore le trac. Là, pendant 10 minutes, non, je suis un peu tendu. Je vous ai connu quand il y a Laurent, il me décoince. Je vous ai connu à une époque où c'était un supplice tout le temps d'émission. Jean Dutour et Jérôme Béglé. Quatrième étage, monsieur. Merci. Il se décoince un peu. Ouais. Laurent m'a beaucoup aidé à me décoincer. Il m'a obligé à faire des choses. Sur ses fiches. Il m'a fait traire une vache. Non, le pire, c'est quand on travaille ensemble. Comment tu parles de Geneviève? Il n'a aucun respect pour Geneviève. Vous ne connaissez pas l'expression? Non, pas du tout. Non, mais dans l'Est de la France, parce que moi je suis originaire de l'Est de la France, on porte ce genre de casquette de voleur de poule. Ah bon? Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Comment s'appelait la mienne? Mais Pivot avait une vache et il y avait un écriteau sur le poitrail où il y avait marqué Marguerite Duras. Il était gêné de traire Marguerite Duras. Messieurs, bonsoir. Vas-y. Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va, Thierry? Comment ça va? Salut, ma poule. Tiens. Tiens, je suis avec ma femme. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ah, bonsoir. Je suis content de vous revoir. Moi aussi, très heureux. Mettez vos affaires ici, Jean. Et puis, moi, je vais ranger mon DVD là. J'ai pas envie de me faire tirer. C'est le DVD de ma fille, Les Clés de Bagnole. Ah, le film que tout le monde a vu. Le film que tout le monde va voir en DVD, ouais. À défaut d'avoir vu au cinéma. Ouais. Un petit coup de rouge pour Monsieur Jeannot le Bicorne, c'est son nom. Ah oui, c'est son nom. Jeannot le Bicorne. C'est lui qui a trouvé ça, c'est pas moi. Hein. Il m'appelle Poupounet, on est quitte. Hein. Mon petit lapin aussi, beaucoup. Mon petit lapin. Oui. C'est mignon, Poupounet. Ouais, aussi. On a un numéro qui est assez rodé quand même, non? Jean est un père fondateur des grosses têtes. Hein. Bon, comment ça va alors? Comment ça va? Tu peux parler normalement, Thierry? Ouais, oui, pas mal. Il est sur 8. Hein. Je vais toujours bien, les médicaments que je prends ne me font aucun effet, c'est le rêve. Rien ne me fait faut rien. Arrêter, l'argent. Non, mais il écrit comme un. Ah, le dernier livre est remarquable. C'est bien, hein, ouais. C'est bien. Et moi, j'avais beaucoup aimé Le Fait le Maréchal von Bonaparte. Ah, ben ça me fait plaisir. Qui est un de mes livres de chevet. Franchement, c'est un livre remarquable, moi qui suis monarchiste. Très bien écrit. Ah, voilà, tout s'explique. Ben, ouais. C'est le régime le plus commode, la monarchie. Ouais. Et ce bouquin a été lumineux. S'il y a de la place sur votre table de nuit, ajoutez Le Journal intime d'un mort. Ouais. Ah oui. Ah oui, oui.
Ça vaut le coup parce que c'est la première fois que d'abord un mort publie un bouquin. Encore, il y a des exemples. Mais là où il dit qu'il surveille... Il a beaucoup publié ces derniers temps. Il surveille sa femme, il surveille son meilleur ami qui est devenu l'amant de sa femme. Évidemment. Sa tombe qui dépérit de jour en jour parce que personne ne vient la fleurir. Mais c'est une bonne façon, c'est une bonne façon de dédramatiser. De dédramatiser la mort, oui. Ouais, ouais. Mais vous savez qu'en écrivant ce truc-là, de temps en temps, je me disais, mais après tout, c'est peut-être comme ça. Ouais. Oui. Ouais. Ce qui est terrible, c'est de voir avec quelle rapidité les gens sont enterrés et oubliés. Surtout en Orient. Il ouais, n'y a que Yves Montand qui... Qui fait oui. Oui, mais enfin, ça n'ajoute pas à Saint-Gloire. Il y a bien, c'est bien ça. Hein, Thierry Ardisson. Thierry Ardisson. Oui. Mais il y a eu mon frère, quand t'es remarqué, qui est une célébrité. Oui, il est célébrité. Oui. Allô. Quatrième, s'il vous plaît. Quatrième. Quatrième quoi? Étage. Ah bon. Vous avez vu le film de Laurent, Jean, non? J'ai vu au cinéma depuis qu'il y a la climatisation. Il y a même dans les... Ah, il y a déjà des... Il y a des tags. Ah oui, c'est bien. Ça, c'est... Je sais pas qui a fait ça, mais je trouve ça... Dans un immeuble. Un immeuble aussi cossu. Un immeuble aussi cossu. J'appuyais partout, mec. J'appuyais partout. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Jacques Balutin, un vieil acteur. Les enfants, c'est très beau. Je suis un peu étonné que dans des immeubles aussi beaux, il y a déjà des tacs dans l'ascenseur, mais bon. Enfin, merci beaucoup, pardon. Je ne comprends pas. Dans des immeubles, parce que Anna a joué son film. Il y a des tacs dans l'ascenseur. Pas la peine d'habiter au niveau de Châtonneur, il y a des tacs dans l'ascenseur. Jacques Balutin, vieil acteur. On va peut-être passer au diable. Et Jean, vous trouvez pas que Derrick, ça bouge un peu quand même? C'est trop speed quand même. Je suis content de vous. Ah bon? J'ai pas reconnu. On va passer à table. Oui. Allez-y. Non mais... Je dois donc aller directement chez Thierry Ardisson en venant de l'avion. Voilà. C'est la première fois que dans un avion, on me colle un Coca-Cola dans le dos. Oui. C'est rattrapé très vite, on a nettoyé le... Mais je suis là, couvert de Coca-Cola. Enfin, j'en ai plus. Ça sent que pas. Ça, c'est... Ça... Donc Philippe ici... On va mettre Jacques ici. Alors, Pierre ici. Il a pris, toi, tu es là, Jacques. Tu il es a là. Pris un cuisinier de Boulogne-Billancourt et pas de la mer, croyez-moi. Éric Legérias, oui, ici. Laurent Baffi ici. Jean, venez, Jean. Ici. Ici, Jean. Viens, Jean, t'es à côté avec ton camarade. Viens. Il y a un mot très bien de la comtesse de Noailles. Quand par hasard, elle n'était pas à la droite du maître de maison, elle regardait la table et elle disait. Je cherche qui est à ma place. Asseyez-vous. C'est pour que je fasse qui veut gagner des millions avec Albert de Monaco. Ah, c'est bien. Je dis oui. Ah ben, tu dis oui, si c'est avec Albert de Monaco. Si vous voulez nous garder jusqu'à la fin, il faudrait peut-être fermer un peu la fenêtre. Hein. Excusez-moi, on n'a pas l'habitude. L'habitude d'avoir des jeunes. Non, je vous en parlerai pas. Vous arrivez d'où, Pierre ? De Bergerac, de chez moi. Ah oui ? J'habite dans le Périgord, je n'habite plus Paris, j'habite dans le Périgord. Et alors, ben, pour rentrer le soir, ça vous pose pas de problème ? Nous sommes au moins deux provinciaux ici. Vous avez gardé un pied-à-terre à Paris ? Bien sûr, j'ai un pied-à-terre à Paris, et je vis grosso modo 15 jours à Paris, 15 jours là-bas. Mais finalement, je suis très heureux de rejoindre... Quand vous êtes à Paris, vous êtes célibataire ? Bien sûr. Alors vous faites tout vous-même, votre petit frichetis. Mais bien sûr, je regarde beaucoup les publicités pour les soupes toutes préparées. Les surgelées. Il appelle le 36-15 tout seul. Non, attendez, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que moi j'ai été de bon cœur vers les grands cuisiniers qui préparent des plats tout préparés, qu'en 2 minutes 30 ou 3 minutes, on réchauffe au micro-ondes et qu'on mange d'une manière délicieuse. Oui. Donc je me suis laissé avoir par M. Robuchon, par M. Loiseau, parce qu'il faut bien le dire, je suis très triste pour Loiseau parce que j'aimais beaucoup cet homme. Malheureusement, il s'est suicidé, mais aujourd'hui, il est toujours dans les blagues. Dans le congélateur. Il est toujours dans les... Non, il est cryogénisé. Dans les produits frais. Bon. Et puis j'ai fait ça dans mon micro-ondes. Bon. Et tu as été très déçu. Affreux. J'ai trouvé dans une de ces recettes, il y avait un petit kéklon
Un petit quoi ? Un petit Quéclon, vous savez, c'est ces sortes de petites marmites. Vous l'avez fait Quéclon ? Vous l'avez fait Quéclon ? Ça y est, Quéclon ? C'est au seuil, c'est bon, ils y sont. Oui ou non ? Alors, un bon Quéclon. Moi, je propose que si Jean dit non, dit non. 12, 14, 15. C'est rudement bon avant Quéclon. Bon oui, il a dit non, il a dit non. Alors, vendez-nous le Quéclon maintenant. Ce sont ces petites coupes en grès, vous voyez ce que je veux dire ? Ces petits récipients en grès, soit blancs, soit légèrement bronzés, vous voyez ce que je veux dire ? Et qui contiennent à l'intérieur une chose que l'on doit réchauffer. Voilà, Marie. Alors là, non, mais toujours au micro. Toujours au micro. Là, c'était la purée, la fameuse purée de Robuchon que j'avais là. Je l'avais dans son Quéclon. Donc le Quéclon pesait lourd, et c'était bien. Bon, c'était... Ça ne vous ennuie pas d'avoir travaillé autant que vous avez travaillé dans votre vie et de finir dans la purée? Non, mais Pierre, cette sorte de liberté était importante pour combien, moi. Combien les Quéclons? Pierre, ça se vend à l'unité ou par 6? À l'unité. Ah, combien, combien euros, okay. Je ne sais plus, peu importe, c'est pas cher. Ah bon. Ça, c'est quoi le prix c'est, de ça? C'est sûr. Non, ça, je sais pas. Une fourchette, Pierre. Ben, ça, ce n'est pas authentique. Une fourchette. Il n'y a pas de fourchette. Donnez-lui une fourchette. Il expertise pour l'instant. Ce n'est pas... pas authentique. Non, c'est ça. Non. 35 euros? Non, c'est une sorte de veniserie. Alors, tu finis ta purée, s'il te plaît. Enfin, c'est pas ce que t'as dans l'assiette, mais je veux dire. 55 euros. Les doigts de Saint-Jacques. 55 euros. Eh bien, c'est pas le prix qui m'intéressait, c'était le goût. Je m'en foutais du prix complètement. Et c'était pas cher, de toute façon. Tu as les moyens, en plus, en dire. Non, mais c'est 7, 8 euros, 10 euros, j'en sais rien. Allez, mais ça, combien ça? Pour un Quéclon. Bon. Mais je m'en fous de non, mais il faut un prix, Pierre. Les gens téléphonent, ils n'ont pas le prix. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Et j'ai mangé quelque chose de parfaitement dégueulasse. Non, il fait deux téléachats en même temps. À la nôtre. À la 100 millième, à la 100 millième des grosses têtes. Oui. 10 000, c'est pas mal. Hein. Déjà. Faudra me remplacer, là, ce soir-là. Non. De Chavannes est sur les rangs. Ah oui. Ça, je peux vous dire qu'en 10 000 émissions, je n'ai manqué qu'une seule fois. Et à cause de quoi? Pour une extinction de voix. Ah ouais. Bon, ce qui est à la radio est rédhibitoire. Mais tu nous as fait un jour un cadeau absolument empoisonné, à l'occasion je ne sais plus de quel anniversaire des grosses têtes. Tu nous as demandé à quelques-uns d'animer à ta place une voix. Oui. C'est atroce, parce que là, vraiment, je me suis rendu compte combien tu n'étais pas remplaçable dans ce rôle tout à fait particulier. Et une fois, lors d'un gala, parce qu'on faisait des galas en dehors de l'émission, j'ai été remplacé au pied levé par un de mes complices, parce que j'avais eu une intoxication pour le s'agissant du dîner qu'on avait pris à l'entracte. Un canard pas frais, pourtant j'ai passé toute ma vie dans les canards. Bah oui. Et une intoxication foudroyante. Ouais. Et celui qui m'a remplacé brillamment, c'était Bernard Tapie. Ah oui, ah mais ça, ah oui. Mais qui a été fabuleux alors là. Ah oui, c'était presque mieux que quand il était ministre. Je voudrais quand même dire que en 27 ans, j'ai posé 165 000 questions. Oh. Et que Jean Dutour a dû répondre à 50 000. Ah ouais. 50 000 ah ouais. J'ai fait ça. Il sait tout, Jean. Tout. Il sait tout sur tout et dans l'ordre. Ah ouais. Et dans l'ordre. Et c'est dû à quoi? Quand j'étais gamin, j'ai lu une quantité de bouquins. J'avais une frénésie de lecture, une espèce de boulimie. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main, moyennant quoi. J'ai appris un tas de trucs complètement saugrenus. Et quelquefois, je me disais, mais pourquoi est-ce que je dis ça? Ça ne me servira jamais à rien. Eh bien, je n'avais pas prévu les grosses têtes. Oui, mais c'est une chose de lire, c'est une autre de retenir ce qu'on a lu. Alors, ça, j'ai toujours une mémoire de cheval. D'éléphant, d'habitude. D'éléphant, oui, d'éléphant. C'est une bite d'habitude, hein, genre. Hein. Tu vois, je pouvais pas trouver, il trouve pas. Quel est l'ancien nom du Lesotho? Parce que ça s'appelait pas comme ça. Non, le Botswaland, non? Ah, non, oui. Botswana. Non, le Botswana existe toujours. Le Botswaland est devenu le Botswana. Ah, oui, me semble. Les Lesotho, je sais pas, c'est un truc comme. Vous connaissez le vrai nom du Lesotho? C'est presque. C'est près de Burkina Faso. Quel était l'ancien nom du Burkina Faso? La Haute-Volta. Bravo. Quel était l'ancien nom du Bénin? Le Dahomey, bravo. Qui a été une colonie allemande. Oui. Capitale du Gabon. C'est Gréco qui chante. Libreville. Non. Bananière. C'est Julien. Hein? Bananière. Bah oui, on dit déjà Gabon Bananière. Je suis désolé. Bien. Hein? Bah oui, c'est vrai. Laurent, quel animal chicote? Je sais. Quel est l'animal qui chicote? Je ne sais pas. J'avais une grand-mère qui chiquait, moi. Ah non, qui chicote. Rien à voir. Qui chicote.
Vous savez pas? Alors, est-ce un oiseau? Ou, non, c'est un mammifère. Un mammifère. Un mammifère qui gicote. Un mammifère. Je l'ai su. Est-ce un mammifère domestique? Ou, non, pas domestique, non. Mais qu'on voit. Marmotte, qu'on peut voir. Il est sauvage, mais on peut le voir autour de nous. Il est donc européen. En un faisan, alors, s'il y a c'est autour de nous. Non, mammifère. Un blaireau. Un sanglier. Un blaireau, c'est pas mal aussi. Un blaireau aussi. Non, c'est pas ça. Un sanglier. Quel est l'animal qui chicote, Jean Dutour? Qui chicote, Jean? Je sais pas. Je sais pas. C'est un animal européen, donc, hein? Oui. Un mustélidé. C'est un mustélidé. La musaraigne? Non. Ah, c'est plus simple que ça. C'est un rat. C'est pas loin. C'est la souris. La souris balutin, bravo. L'animal qui claque du bec. Le moribond. Le figurant. C'est la cigogne qui claque. L'intermittent du spectacle. Ah, mais c'est la cigogne. C'est la cigogne. Et quel est le vrai nom, le nom commun du sildénaphile? Du que Sildénaphile. Qui collectionne? Sildénaphile. C'est on l'a tous pris autour de cette table, sauf peut-être Jean, mais je suis c'est un collectionneur. Un collectionneur? Non. Non, non. C'est l'ami des Sildéna. Non, c'est quelque chose qu'on avale. Comment ça s'écrit, Jérôme? S I L D E N A F I L. Sildéna, le nom commun. On l'a tous pris. Un amateur de couleuvres, puisqu'on l'avale, non. Avale, non. C'est pas une personne, c'est un objet. On l'avale. On l'avale. Non. On l'avale. Sildéna, c'est quel racine? Et on le digère. Le sildéna, il y a un nom très commun qu'on connaît tous, le sildénaphile. Le persil? Non. C'est une plante? C'est une gélule. C'est une gélule, absolument. L'aspirine? Non. Non. Le magnésium? Non. Pire que ça, mieux que ça. Pire que ça, l'arsenic? Non. Un poison? Réfléchissez, le samedi soir, qu'est-ce qu'on fait? Du Viagra. On baise. Le Viagra. Et Dieu sait que le nom savant, la molécule savante du Viagra, c'est le sildénaphile. C'est le sildénaphile. Vous voyez? Oui. Mais on n'a pas encore l'âge d'être au courant. Mon œil. Je l'adore. Quel est l'animal qui a le plus long pénis? La baleine bleue, 2m40. Le hardisson? Non. Un petit animal tout petit, sûrement, qui a un majeur. Proportionnellement à sa taille. Ça doit être le caméléon, comme sa langue. Parce que c'est très important, le proportionnellement. Par exemple, on disait toujours que les nains. On dit toujours que les nains ont des très grosses bites. C'est faux. Oh, soyez gentils, je vous en prie. Philippe, vous n'étiez tellement pas visé. Toute ma vie, je me souviendrai, Philippe a demandé, quel est le nom de la plante avec laquelle a été tressée la couronne du Christ? Tout le monde pense que c'est des épines, des machins. C'est l'aubépine. Lui, c'est. Non, lui, c'est. C'est quoi, Jean? C'est une verveine? Non, il a sorti le nom. C'est je sais pas quoi, machin. Pourquoi il sait ça? On va savoir. Un truc qui sert à rien. Je me rappelle plus. Voilà. Je n'ai même pas raconté une histoire assez marrante d'un vieux monsieur qui était au jardin des Tuileries. Il y a un petit garçon qui pleurait, mais qui pleurait. Le vieux monsieur, compatissant, s'approche et lui dit « Qu'est-ce que tu as pleuré comme ça, mon petit ?»« C'est que ma maman, elle n'est pas là, puis j'ai très envie de faire un petit pipi. »« Bah viens avec moi, tu feras pipi contre un arbre. »« Oui, monsieur. » Et le gosse va avec le bonhomme et il reste là comme ça. Elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu attends ?»« Ah ben, ma maman, quand je fais mon petit pipi, elle m'ouvre ma braguette. » Bon, bah, je vais te l'ouvrir et puis tu vas faire ton petit pipi. Et toujours, le gosse ne pisse toujours pas. Parce que ma maman, dit-il au vieux, bah, ma maman, bah, elle me la prend dans la main et puis elle me dit, pisse. Ah oui, bah, alors le vieux fait ça et dit quand même, il te peut emmerder dans ce garçon. Puis il continue comme ça et le garçon ne pisse pas. Et qu'est-ce que tu attends maintenant? J'attends qu'elle me chante une chanson, que vous me chantez une chanson, parce que je pisse pas quand. Je fais pas pipi quand on me chante pas une chanson. Oh, mais t'as seulement, dit le bonhomme. Bah, je vais te chanter ta chanson, alors allons-y, bah, au clair de la lune, mon ami Pierrot. Ah non, pas celle-là, dit le gosse, elle me fait chier. Quelle horreur! Tout ça pour une horreur. Oh mon cher Jean, quelle horreur. Eh ben, c'est une histoire presque historique, elle m'a été racontée par Jean Genet. Ah, oh, Jean Genet. Non, ah bah oui. Ah, bah, tu en connaissais un bout, si j'ose dire. Dites une seule langue. Espagnol. Bon. Sí, porque no te sientes barbefeca por tenía son de Terjal y cierta que Arizona y también sabía en Madrid. Bon. Traduisez en japonais. Toya singon soyo zagorimas in de tinchoa sorogmasu in de soa tumonta
son entrain, l'homme en train de trahir, il ne peut pas faire son, elle dit son nom, elle nous sommes. Et en russe? Не спикать есть к сбати нефге, с до три дни мис повоя за искету бегле, а с матьон тих бельмар ну мозде, с пьес бофат, и цет мозкат зитиш вакет бувар, но зет есть кам хахи. Он не вуар я. Андели, мургом, ан дефока, не мон сетел ли ребел, и ну сунго вот и цинкат ан друфанет ин буаке, а рам бучо, он вон секат ин барго. Не мон санкета, de Barbeau France. L'italien? Sì, oh. Allora l'italiano è molto difficile, con senti esita, e ti sei corrando, vedo, e posso dire che Ardissone. Ardissone è italiano, sì. E quando so vedi, e quando si tratta, Criso, tipo con Sacesso, questo tempo, di che si tratta, fa fatto, il terzo posto, che ti hanno sentito niente. Incredibile, no? E in allemand? Das ist Finken und ist streng gestanden und das finde ich aus dem Trinken an die Schwede, an Sande, konstante Schwingen und schwere Schwanzen und so ist Jean Dutour von der Akademie Französe. Jawohl. Der Akademie Französe. Ja, ja, ja. Ich würde trinken, sonst ich frage, das ist eigentlich Trivili. Il est formidable, mais ce qui freine un peu sa carrière, c'est qu'il est moins drôle en français. Voilà. Et tout ça pour m'abattre à la fin. Quelle est la chanson la plus idiote que vous ayez jamais fredonnée? Il y a de la concurrence, hein? Oh, c'est terrible, parce qu'il y a une concurrence. Tu sais, il y avait Charlotte Julien qui était assez forte. Oh, qui était quoi? Qui était quoi? Oh, je suis une fleur de province, ni trop grande, ni trop grosse, ni trop mince. J'arrive avec ma valise, car Paris, c'est pour moi la terre promise. Magnifique. La petite Émilie m'avait bien promis trois poils de son cul pour faire un tapis. Les poils sont tombés, le tapis est foutu. La petite Émilie n'a plus de poils au cul. C'est du Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard de l'Académie française. Il a fait un détour par l'Académie française. Et je suis comme une boule de flipper. Qui roule, capitaine d'un bateau chanteur. Je m'écroule, partenaire particulier par exemple. Partenaire particulier, cherche partenaire particulière. Débloqué, pas trop timide et une bonne dose de savoir-faire. Savoir-faire. On rigole, alors, mais c'est consternant. Thierry Pastor. Sur des musiques noires, dans un studio bleu sous les nuages. Et là, il y en a fait une autre. Incroyable. Il y en a une autre qui s'appelait T'as rien compris. Alors, Stone et Chardin. Ah, Stone et Chardin. David et Jonathan. Qu'est-ce qu'on dit? Elsa. Alors, Elsa, comment c'était quoi, Elsa? J'ai compris. Papa, t'en vas pas. T'en vas pas. Si tu m'aimes, t'en vas pas. Papa, si tu l'aimes, dis-lui. Quelle est la femme de ta vie? Papa, fais pas comme si. On va pas. Alors, il a fait un duo avec. Elle a fait un duo, c'est Glenn Medeiros. Ah oui! Nothing C'est un long roman d'amitié qui commence entre nous deux. Pas une histoire d'amour. Vacances qui finit dans l'eau. Hey, Jean-Pierre François. Oh! Ah, deux, ça, c'est trois. Une belle colle, ça. Ah, ouais. Je te survivrai. Bravo. Je te survivrai dans les yeux d'enfant. Je te survivrai comme un revenant. Ça s'en va, mais ça revient. Oui, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient. Ça se retient comme une chanson populaire. L'amour, c'est comme un refrain. Ça vous glisse entre les mains. Ça se chante et ça se danse et ça revient. Ça se retient comme une chanson populaire. Ça vous fait marcher sur des nuages. Ça vous offre des ailes blanches dans le dos. Ça vous fait marcher sur des nuages. Et ça vous poursuit en amour. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient. Ça se retient comme une chanson populaire. Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Capitaine Flamme, d'aussi loin
j'étais. Tu descends juste. Vous pourriez faire l'Olympia tous les deux. T'as écrit une chanson, toi ? Que je vais faire à l'Olympia la semaine prochaine. Vas-y. Et comme je sais pas chanter, je vais la dire. Et comme je sais pas jouer de la guitare, je vais faire deux accords. Ça s'appelle Ton canapé violet m'a violé. C'est quoi ? L'autre soir, tu m'as proposé de dormir sur ton canapé violet. Confiant, je m'y suis allongé pour un rencard avec Morphée. À peine avais-je les yeux fermés qu'hypocritement, à pas feutrer, un accoudoir s'est approché très près de mon intimité. Croyant un rêve mouillé, je me suis sans doute très relâché. Et l'impensable est arrivé, ton canapé violet m'a violé. Refrain. Ton canapé violet m'a violé, je me sens sale et humilié. Ton canapé violet m'a violé, il m'a vu l'âge pépolisé. Moralité. Toi qui écoutes cette chanson, surtout fais gaffe, fais attention. Et retiens bien cette leçon, certaines couleurs font mal au fion. La semaine prochaine, je vous chanterai ton tabouret m'a bourré. Merci, bonsoir. Ton tabouret m'a bourré. On va te faire la musique. C'est un type, il arrive au paradis et il se présente devant Saint-Pierre et Saint-Pierre il a un registre, il lui dit bonjour, nom, prénom, âge, profession, qualité, et le type il dit attendez, je vous arrête tout de suite, moi je me souviens de rien. Tout ce dont je me souviens c'est que j'étais menuisier, j'avais un fils, le reste. Et Saint-Pierre lui dit écoutez c'est embêtant parce que moi il y a des papiers, je suis obligé de les remplir, donc vous avez mérité le paradis, on le sait, mais si vous vous rappelez de rien, on ne peut pas vous faire rentrer. Et le mec dit je me rappelle très bien, j'étais menuisier, j'avais un fils, le reste. Saint-Pierre dit, écoutez, je ne suis pas compétent, on va appeler Jésus. Il appelle Jésus, Jésus arrive, il dit, oui, quel est le problème ? Et Saint-Pierre dit, voilà, j'ai un monsieur qui a mérité le paradis, on le sait, seulement il ne peut pas rentrer parce qu'il ne se rappelle de rien. Et le mec dit, pardon, je me rappelle très bien, j'étais menuisier et j'avais un fils. Jésus regarde le type, il lui dit, papa. Le type regarde Jésus, il lui dit, Pinocchio. C'est le... Le type qui vient de mourir, et puis sa femme est là quand les croque-morts arrivent, et elle dit aux croque-morts, avant de fermer la bière, j'aimerais bien que vous lui coupiez le sexe. Dit madame, vous savez, c'est pas dans nos attributions habituelles, moi je veux bien vous rendre service, mais pourquoi lui couper le sexe ? Oh ben, elle lui dit, c'est simple, parce que je voudrais le mettre dans mon pot-au-feu. Dit, pourquoi dans votre pot-au-feu ? Il dit, ça faisait 40 ans qu'il me la faisait bouffer cru. J'aimerais bien savoir le goût qu'elle a cuite. Il arrive pas, il arrive. Bien, il y a 25 ans, il arrive jamais au bout. Elle est très drôle. Oui, elle est très drôle. Ouais. C'est un monsieur triste, vous ne connaissez pas ? Non. Moi, je l'ai rencontré, monsieur, je crois. Oui, c'est. Savez, c'est un petit monsieur triste, très riche, qui, tous les jours, va à son bureau, très tôt, et il descend toujours la même rue pour aller à son bureau, car il habite pas très loin de son bureau. Et en passant dans cette rue, il passe devant une loge de concierge. Et sur la fenêtre de cette loge de concierge, il y a une cage. Et dans cette cage, il y a un canari. Et ce canari chante absolument merveilleusement. Et le petit monsieur triste, c'est le seul moment de la journée où il n'est plus triste, parce qu'il reste devant ce canari, il l'entend chanter, et il est heureux pendant quelques instants. Puis il quitte le petit canari et il va à son bureau. Et puis un jour, n'y tenant plus, il rentre dans l'immeuble, il frappe à la loge de la concierge, et il dit, madame, tous les matins je passe devant votre loge, tous les matins je passe devant ce canari, et je voudrais vous l'acheter tout simplement. Mais monsieur, ce n'est pas ça. Oh, écoutez, je vais vous en proposer un prix tel que vous ne pourrez pas refuser. Je vous propose 1 million pour votre canari si vous me le vendez. Monsieur, mon canari n'est pas à vendre. Monsieur s'en va, n'a pas réussi à faire son marge. Je me dis, c'est pas normal quand même que cette femme n'accepte pas, parce que vraiment, l'argent peut tout résoudre. Donc, il retourne une nouvelle fois auprès de cette femme, il lui dit, écoutez, je pense que je n'ai pas offert suffisamment pour ce canari, qui en effet a un chant absolument extraordinaire. Donc, je vous en offre 2 millions. Et la concierge, ne sachant plus quoi dire, lui dit, écoutez, monsieur, ce canari n'est pas à vendre, c'est le petit oiseau de ma petite fille, elle est malade, et c'est le seul instant de bonheur qu'elle a dans la journée, c'est quand elle l'entend chanter. Donc vous pensez bien que je ne vous le vendrai pas. Alors le type s'en va, et une idée atroce lui vient à l'esprit. Il se dit, il n'y a pas de raison qu'un autre canari ne puisse pas remplacer celui-là. Je vais donc aller sur les quais, je vais acheter un canari, et un matin, très tôt, je vais passer par là, et je vais faire l'échange des oiseaux. Ce qu'il fait, et il rentre dans sa maison, il a acheté une grande volière, et le canari chante, 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 et il est heureux, il est heureux, il est heureux, il est merveilleusement heureux. Il a le canari pour lui tout seul. Évidemment,
L'oiseau qu'il a acheté n'est pas sûr qu'il chante. Il est même presque certain qu'il ne chante pas. Alors, au bout de quelques jours, son bonheur est un petit peu... Comment dirais-je ? Contrarié, voilà, exactement, par l'action, la très mauvaise action qu'il a faite. Alors, il retourne chez la concierge parce qu'il sait que l'argent peut tout réparer. Et il revient et lui dit, « Madame, je viens encore une fois vous acheter votre canari. Et cette fois-ci, je ne vous donne pas 2 millions. » Il sait très bien qu'il ne chante pas, qu'il est mauvais, mais il veut faire une bonne action. « Je vous en donne 3. » Et la concierge lui dit, « Oh, monsieur, mon canari est encore moins à vendre, car figurez-vous que depuis que ma petite fille est morte, il ne chante plus. » Oh, oh, qu'elle est affreuse. Ah, elle est ignoble. C'est horrible. Et Dave, tu m'avais fait Dave. Dave, ah ouais. Hélène, si je t'écris au cœur Hélène, c'est parce qu'ici, sans le savoir, tu as laissé quelqu'un qui t'aime. Hélène, Vanina, rappelle-toi que je ne suis rien sans toi. Vanina, si tu m'oublies, je serai pour la vie seul au monde. Au monde, sans toi, sans toi. Et le monde n'existe pas si tu es loin de moi, loin, 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 loin de moi. Vanina, Vanina. C'est un monsieur qui aime les hommes et qui va chez le médecin et lui dit, j'ai une angine affreuse. Il lui fait, alors ça sert à rien du tout. Vous allez prendre 3 suppositoires, un ce soir, un demain matin, un demain soir, votre angine est terminée. Il fait, non, je peux pas. Comment ? Non, je sais pas me les mettre. Il fait, non, attendez, arrêtez. Ah, vous avez fait quel âge ? J'ai 30 ans. Vous savez pas mettre un suppositoire ? Non, je l'ai jamais mis. Il dit, attendez, vous mettez un suppositoire, c'est pas grave, vous mettez un suppositoire. Vous n'avez pas autre chose ? Non, je vous assure, c'est très efficace. Vous allez voir, c'est rien du tout. Ça va, demain soir, vous êtes guéri, sûr. Bon. Il rentre chez lui, il se déshabille, et puis il va dans sa salle de bain, il essaye de se mettre ce suppositoire, il n'y arrive pas. Il prend une glace à main qu'il a, il la pose par terre, il se met au-dessus, et puis, il voit l'endroit, il se met, et à ce moment-là, il prend une érection terrible, il fait « Mais arrête, idiote, c'est papa !» Tu la connais, toi ? Oui, oui. Donc, c'est un mec qui veut apprendre l'anglais. Donc, il voit des cours d'anglais, 1000 francs pour apprendre l'anglais, 2000 francs, 3000 francs pour apprendre l'anglais. Il trouve ça ridicule. Il se dit quand même, c'est incroyable, je ne vais pas dépenser une somme pareille. Et un jour, il voit une toute petite annonce dans un coin, apprenez l'anglais parfaitement, 50 livres sterling. Ça se passe à Londres. C'est pas dit, mais ça se passe à Londres. Donc, 50 livres sterling, c'est vraiment pas cher. Et il va chez le mec, il sonne. Il dit bonjour, est-ce que c'est ici qu'on peut apprendre l'anglais pour 50 livres sterling? Et le mec lui fait yes, if, between. Et comme personne ne parle anglais ici, et comme Pim ne parle pas un mot d'anglais et du tout non plus, c'est une histoire normal. Je n'ai jamais raconté sans faire un bide. Tu ne peux pas. Et l'autre connard, là, il le sait, évidemment, il le sait. Vous n'avez pas compris. Rien, pas une broque. If, between. Si, entre. Si, entre. Il dit, si, c'est if, entre. If, c'est if, mais if, between, c'est si, entre. Mais entre nous deux. Qu'est-ce que si, va le faire maintenant, c'est pas meilleure ligne. C'est sans espoir, c'est sans espoir. C'est sans espoir, voilà. Si tu aimes ça, le pire, c'est Jean Carmet. Il se délectait du bide. Il écrit un sketch. Le début, c'est l'autre jour, je dormais chez moi, j'entends du bruit sous le lit, je me dis, tiens, ça doit être le chat. Ouais. Je me lève, je regarde sous le lit, qu'est-ce qu'il y avait ? Le chat. Et il s'est fait une décennie, deux décennies de bide avec il ça. Il ajoutait, le matin, je me lève à 7h30, ou à 8h, y a pas de règle. C'est jamais pareil. Jean Rigaud m'avait raconté une histoire assez marrante. Il était allé faire un gala à Orléans avec un de ses camarades qui s'appelait Goupil, qui était un chansonnier comme lui. Et c'est une salle de pierre, un gala terrible. Il se retrouve à 11h du soir ou 11h30 dans leur petite chambre d'hôtel près de la gare des Aubrais, avec une lumière un peu jaunâtre, des taches d'humidité sur les murs. Et dans la pièce à côté, des gens qui s'ébattent. Et alors là, Rigaud était sublime comme ça. « Ah, chérie, encore, ah, ce que c'est bon. Ah, c'est pas possible, ils sont plusieurs, mais c'est le 14 juillet. Ah, chérie, encule-moi. »
Ah, chérie, encule-moi. Ah, chérie, encule-moi. Chant du tour, je pensais pas. Encule-moi, chérie, encule-moi. Et à ce moment-là, Goupil se lève, frappe à la cloison et dit « Encule-la que je dorme. » Quelle merveilleuse. Et les images sont pour les non-voyants. Bonsoir, chef. Ah, c'est les 35 heures. Hein. Merci, chef. Merci, c'était très bravo, bien. Très c'était bon délicieux, bon chef. Très délicieux. Bon. On n'est pas très surgelé, mais là, bravo. Hein. À bientôt, messieurs. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Oh, bon, non, alors, je suis connu, c'est l'histoire du type qui sort de chez Castel à 4 heures du matin et qui voit un clochard qui dort sur le trottoir et qui le trouve mignon. Il s'est dit, je me le fais. Et puis comme c'est un galant homme, il lui glisse 100 francs dans la poche. Et le clochard, le lendemain matin, qui ne s'est pas réveillé pour si peu, trouve ce billet de 100 francs dans la poche de son par-dessus, se dit, ne se demande pas comment c'est venu là, court chez l'épicier et dit, donnez-moi un carton de Cronenbourg. L'épicier le lui donne, et on se retrouve 24 heures après, sur le même trottoir de la rue Princesse, le même clochard qui dort, le même fêtard un peu éméché qui sort et qui voit ce charmant clochard, il dit « je me le fais, se le fais, mêlé sans battre dans sa poche » et ainsi de suite pendant 8 jours, ouais. Ou plutôt 8 nuits. Et le 9e jour, le clochard va chez son épicier, pose le billet de 100 francs sur le comptoir et dit à l'épicier, et l'épicier lui dit « ça sera un carton de Cronenbourg » et l'autre lui dit « non, je vais prendre de la Tuborg parce que j'ai remarqué une chose, c'est que la Cronenbourg, elle me fait mal au cul. C'est toujours aussi bon. Mais indémodable et immortel. Tu la connaissais, toi ? On a chanté les Parisiennes, les Brésiliennes et leurs chapeaux. On a chanté les Madrilènes qui vont aux arènes voir les toreros. On oublie tout un stapida pina sous le soleil de Mexico. On devient fou au son des rythmes tropicaux. Regarde. Le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Peter et Sloan. Tu me fais vivre Peter comme Sloan dans un rêve. Les recordman de numéro 1 au top 50. Ouais. Tout ce que j'aime, besoin de rien, envie de toi. Comme le rouge aime l'automne. Tu sais, le rouge, c'est ta Vérone qu'il ressemble. Ça besoin de rien. Ça fait ma joie, voilà. Ouragan, comme un ouragan. Ouragan, la tendresse en moi. Attendez, c'est le passé. Décaler notre idée. Mais ouragan, c'était Stéphanie. Oui. Oh, l'ouragan. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.